On va pas parler de grand chose, on va parler d'une chose, parce que j'en ai marre. J'en ai vraiment marre, je suis fatigué, je suis exaspéré, j'en peux plus. J'en ai marre de ce cirque à l'Assemblée. J'en peux plus. J'en peux plus qu'on tienne les comptes de qui vote quoi, avec qui comment, pour les amendements, pour donner les bons points, de qui est les bons députés et accusés. Ses alliés de trahison, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Donc là, on a vu Antoine Léaumont s'en prendre par exemple par tweet à l'après, en disant il manque deux ou trois députés, deux ou trois voix, et comme par hasard, il manque deux ou trois personnes de l'après. L'après qui n'a pas de groupe parlementaire hein, au demeurant, puisqu'ils appartiennent à Europe Écologie Les Verts. Hein, et c'est bon, ils sont, je sais pas combien ils sont. Oui, il manquait deux ou trois voix, il manquait aussi 24 députés LFI et 12 députés d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi ton tweet cible ces personnes précisément? Pourquoi est-ce que tu profites d'un vote, quel qu'il soit, pour t'en prendre à Raquel Garrido, Alexis Corbière? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, nous, citoyens, de vos délires? On s'en bat les couilles, c'est pas le moment. Parce qu'en fait, tout ça et tous ces règlements de compte, ça se base hein, évidemment essentiellement sur l'ignorance des gens de la vie parlementaire, ignorance que j'ai moi-même hein, en très grande partie. Je me rattrape en suivant l'actu et en préparant ces émissions. Il faut savoir que je ne chope pas tous les détails et toutes les subtilités, mais s'il y a un truc que j'ai bien compris, c'est que il y a beaucoup de séances en ce moment, qui se tiennent ou non pendant les commissions, qui se tiennent ou non la nuit, ou non pendant d'autres événements, ou non pendant des déplacements qui sont prévus de longue date, ou non pendant des interviews, des émissions politiques, des préparations de textes pour le calendrier législatif à venir, etc. Donc oui, forcément, tout le monde ne peut pas être partout au même endroit, au même moment, et donc oui, forcément, il y a des gens qui ne sont pas présents dans l'hémicycle à tel ou tel, pendant tel ou tel vote. Antoine Léaumont, lui-même, par exemple, était absent le jour où on a perdu le vote d'une voix sur la pérennisation de la contribution des hautes entreprises, qui avait été déposée par Simonet. Est-ce que tout le monde a fait des tweets pour dire « Léaumont, fils de pute, t'étais pas là, sale traître ?» Non, parce que ça aurait été injuste, faux et absolument malhonnête. Alors bon, j'attends la même chose d'Antoine Léaumont en retour, j'en attends peut-être beaucoup. Parce que là, c'est vraiment un cirque qui vraiment me fatigue en ce moment. Vraiment, ça me fatigue. Surtout que, oui, bah, Léaumont, il avait sûrement mieux à faire le jour où il n'était pas là, comme les autres avaient sûrement mieux à faire les jours où il n'était pas là, puisque de toute façon, le budget, il passera pas. Avec nos amendements, et surtout plus on en rajoute, moins il a de chance de passer, donc inutile de charger à dominer machin ou truc pour ce qu'il ferait ou ne ferait pas, on ne s'en sort pas. C'est vrai, hein, le PS et le PCF sont relativement absents, hein, de ces débats et de ces votes. Alors relativement absent, c'est-à-dire qu'en gros, à peu près trois quarts des députés qui sont absents, là où les autres n'ont que deux tiers ou la moitié d'absents. Et donc du coup, ils se sont fait cibler par une partie des militants à la France Insoumise de ma timeline, et même d'ailleurs par certains députés, hein, bien sûr, directement, pour dire qu'ils seraient de mèche avec le gouvernement, en ne venant pas voter les mesures que le NFP est censé soutenir, mais que le gouvernement veut voir rejeter. Gouvernement dont la majorité des députés associés ne siègent même pas, hein, d'ailleurs. Hein. Donc évidemment, on a Le Grave, hein, par exemple, hein, député LFI, ou plutôt député du POI, hein, qui vient carrément tacler le PS sur l'accord du NFP qui a été signé en juillet pour les législatives, parce que bon, quand on y va, autant y aller franchement. Puis on a Vanier, hein, bien sûr, qui accuse le PS de faire perdre le NFP sur le retour à l'ISF en jetant le trouble sur ce que voudrait le PS, alors qu'en fait c'est juste qu'ils sont pas là. Mais s'ils viennent pas, une partie des députés, s'ils viennent pas, c'est que en fait ça ne sert à rien de venir, vraiment. Qu'on se le dise, ça ne sert à rien, le budget sera pas voté avec nos amendements, c'est QFD, vraiment. Donc il faut arrêter cette histoire, il faut arrêter. Donc moi, je vous le dis, bon, maintenant, je le fais même plus avec des pincettes, parce que moi, ça me saoule de voir tous les députés de la LFI de la première garde qui viennent faire leur meilleur tweet copier-coller pour s'en prendre à leurs alliés, pendant qu'on a, honnêtement, vachement mieux à gérer, vachement plus à gérer, et que en plus, c'est sur des choses osef et insignifiantes, sur des choses où, honnêtement, c'est intéressant en termes de com', mais sur le fond, ça ne change rien. Mais ils savent très bien ce qu'ils font, et c'est d'autant plus, moi, c'est d'autant plus exaspérant, je trouve. Parce que là, la strate, elle a évolué, hein, voilà, elle a évolué, maintenant vous l'avez bien compris, la France Insoumise, Clémence Guettet, dont j'ai entendu, a dit que, en fait, peut-être, ils allaient voter le budget. Coup de théâtre! Finalement, la gauche va voter le budget! Elle qui voulait en profiter pour faire tomber le gouvernement et faire tomber Michel Barnier! Alors évidemment, c'est un jeu auquel
tout le monde joue et tout le monde croit gagner la partie. C'est absolument saisissant. Parce qu'on a maintenant du coup le gouvernement qui a plus très envie de voir voter son propre budget. Du coup, ils viennent pas du tout voter alors, les amendements. Hein. Et c'est vrai, il y a pas mal d'amendements votés grâce à la France Insoumise, des trucs bien à gauche. C'est cool, hein. Et on pourrait s'en réjouir, hein. D'ailleurs, beaucoup de communication est faite pour travestir ça en tout un tas de victoires. Et de sérieux, et d'exemplarité, et de... Mais ça marche pas du tout comme ça, ça marche vraiment pas du tout comme ça, ce qui est en train de se passer. Là, on vit vraiment dans un cirque où tout le monde croit y gagner auprès de son électorat à jouer son numéro. Donc là, d'un côté, on a le NFP qui se la joue honnête, responsable, bon élève. Par exemple, on a LFI qui a 53% de taux de participation dans l'Assemblée, c'est le groupe qui a le plus de participants, de personnes présentes en séance. On a Europe Écologie Verte qui est à quasiment 40%. Alors, dans le top 3 entre les deux, on a le RN qui est à 47%, hein, à vouloir jouer les bons élèves, à voter tout, à beaucoup parler, à beaucoup débattre, à tout tirer à gauche, tant mieux, encore une fois. Hein, moi, j'aime bien que les choses soient tirées vers la gauche. Hein. Mais bon, ça en profite beaucoup pour se tirer les pattes entre LFI, Europe Écologie Les Verts, LPS, sur le fond aussi de la législative partielle en Isère, sur le fond des municipales à venir, sur le fond de la présidentielle de 2027, parce qu'on avait évidemment compris que ça prépare 2027 depuis 2022. C'est pas nouveau, hein, ça on l'avait déjà vu avec la NUPES. Et puis de l'autre, on a la majorité, donc LR et LREM, qui eux, ils viennent carrément plus à l'Assemblée. Bon, ils ont entre 13 et 20% de taux de présence, hein, horizon, moins de 13% de députés présents, c'est vraiment pas beaucoup. Ils votent rien, ils laissent le NFP faire passer tous leurs amendements trop à gauche, et puis après ils disent « bah c'est trop à gauche, c'est confiscatoire, c'est pas sérieux, la gauche elle joue un jeu dangereux, c'est n'importe quoi, en plus ils font des doubles votes, ils trichent sur les votes, etc. » Bon, c'est des conneries, hein, on s'en fout, c'est des conneries. Vous avez vu la polémique. Des gens qui voteraient pour leurs collègues absents, etc., ça va contre les règles de la démocratie, etc., alors qu'évidemment, évidemment que non, LFI ne triche pas sur les votes, c'est évidemment des conneries. Mais ça nous... ça jette le trouble, hein, sur... oui, c'est pour ça que LFI gagne, parce qu'ils trichent sur les votes. En aucun sens, mais bon, allez-y, hein. Allez-y gaiement, hein, quitte à ce qu'on soit tous dans la mauvaise foi et qu'on fasse que ce soit une bataille de com, autant que ce soit une bataille de com jusqu'au bout et qu'on invente carrément les faits. Hein. Et puis ensuite, tout ça pour qu'à la fin, le gouvernement, bah, il refuse de voter leur propre budget, histoire de bien justifier leur 49-3. Et puis ben voilà, ils préparent déjà le terrain sur toutes les matinales. Ils sont évidemment aidés par le RN qui en plus l'a fait la carte. J'ai vu tous les tweets sortir aujourd'hui et hier de « La gauche a pas voté l'abrogation de la réforme des retraites, ils sont pas crédibles, ils ont trahi leurs électeurs, et en plus, alors ça, pour ça, pour aider les vrais gens, y a personne, mais alors quand c'est pour confisquer l'argent des Français, les ruiner et voler tous ceux qui travaillent dans ce pays, là par contre il y a du monde. » Alors là, voilà, bon, ça, on a bien compris que là-dessus, ils étaient alignés avec la droite. Et puis à côté, ils sauvent le cul du gouvernement, parce que, bah, voilà, du gouvernement des riches et des bourgeois, bien sûr. Alors, que ce soit la droite ou le NFP, qui est évidemment essentiellement incarné par LFI, d'ailleurs beaucoup de gens de droite ont dénoncé le fait que le NFP s'était devenu LFI, mais alors en l'occurrence de fait, hein, étant donné que c'est ceux qui siègent le plus, et qu'ils ont un bon nombre de députés, effectivement, oui, de fait. Eh ben, tout le monde sait que... voilà, tout le monde sait que c'est un jeu de dupes auquel on joue, tout le monde y joue, tout le monde croit y gagner, tout le monde fait ça comme sur cette séquence, selon les atouts qui pensent être... chacun selon les atouts qui pensent être les siens, hein. Et chacun croit convaincre sa base et un peu plus. Moi, j'ai surtout l'impression que ça exaspère les gens. Ça exaspère, c'est exaspérant. Moi, ça m'exaspère. Moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. Vraiment. Le français moyen, il comprend pas la vie à l'Assemblée, donc on peut lui faire gober tout, n'importe quoi, mais le français moyen qui ne comprend pas comment ça fonctionne à l'Assemblée, il est pas non plus sensible des arguments des autres qui t'expliquent comment fonctionne l'Assemblée quand c'est pour défendre son bout de gras et son plan de com', en fait. Cette ignorance, elle est mise à profit de la part de tous les bords, et on se retrouve avec des... c'est le dernier qui a parlé qui a raison, et pour la vérité et pour comment ça fonctionne, ciao et plus personne. Et là, c'est moi où peut-être je vais avoir une parole de droite et une parole un peu réac, mais c'est là où je regrette un peu cette twitterisation de la vie politique et des extraits à l'Assemblée, parce que nous, on est contents, on voit des trucs de gauche et ça nous indigne et c'est le but. Et les gens, mon père, dans sa TL, ça, c'est pas ça, quoi. Hein. Plein de gens, leur TL aussi, c'est aussi des bulles de filtre où tout le monde, en fait, tout le monde voit aussi le pan qui correspond plus idéologiquement et... quand ils voient quoi que ce soit. Donc là, c'est bien, la gauche, elle se félicite d'enchaîner des victoires grâce à leur combativité, leur exemplarité, leur travail, tout ce que vous voulez, alors qu'en fait, ces victoires-là, on sait que ça va être des défaites, hein. On sait que tout ça ne va pas être conservé. Et on espère bien, au fond, que ce soit des défaites. Parce qu'on espère bien pousser le gouvernement à faire ce 49-3,
parce qu'il avait potentiellement prévu une autre voie, à faire ce 49-3 pour susciter l'indignation des Français, susciter le dégoût, pour dénoncer le déni de démocratie et pour précipiter un peu plus la chute du gouvernement, un gouvernement dont on a appris récemment qu'il était parfaitement détesté. Et voilà. En attendant, il faut qu'on assiste à ça, alors que les ficelles sont grosses. En termes de débat d'idées, c'est quand même pas très qualitatif. Et vraiment, c'est vraiment une bataille de com', quoi. Et ça me fatigue.